La purée de pois des dernières semaines de décembre a paralysé nos grands aéroports, qui se sont endormis comme sous l'effet d'une baguette magique. Atterrissage impossible, affirmaient les météos. Visibilité excellente, répondaient leurs collègues d'un petit aérodrome militaire, qu'une nuit aura suffi à transformer en aéroport international. Beau fixe à Sion, où les avions des grandes compagnies ont été dirigés provisoirement. Ainsi, nos hôtes étrangers tombent-ils, pour ainsi dire, tout droit du ciel, dans la vallée alpestre. Et aux mains des douaniers impassibles. Le touriste cherche le chamois et se coiffe à Bond Street. De la ville, on arrive en pleine montagne pour repartir vers d'autres villes. De nombreux courriers ont été détournés et les sentinelles vénérables de Valère et de Tourbillon ont contemplé les grands oiseaux métalliques s'élançant par-delà les dentelles de l'Alpe vers des plaines lointaines.